La mairie de Cocody a offert des salles d'eau au lycée professionnel hôtelier situé à la Riviera Golf. Ce don permettra aux 900 stagiaires et étudiants de l'établissement de se soulager dans un cadre approprié. Retour sur quelques images ayant marqué la mise en service de ces lieux d'aisance. Des latrines, hommes, femmes, composées chacune de 3 WC, une douche et 3 lave-mains bâties sur 60 mètres carrés. C'est le don de la mairie de Cocody au lycée professionnel hôtelier dont l'inauguration a lieu ce jour. Cet ouvrage qui bénéficiera aux 900 stagiaires et étudiants de l'établissement permettra de lutter contre le phénomène de défécation à l'air libre et leur offrir un cadre approprié pour les besoins. Une action saluée par les premiers bénéficiaires. Nous n'avions qu'une seule salle d'eau pour tous ces apprenants et aujourd'hui on a une deuxième salle d'eau. Je pense qu'au niveau de l'hygiène, déjà seulement l'hygiène, je pense que ça va apporter un plus au niveau de l'hygiène, surtout de nos jeunes filles qui se retrouvaient souvent à l'infirmerie pour certaines maladies et tout, des infections. Donc je pense que ce don est vraiment salutaire. Nous sommes très heureux, nous disons infiniment merci à M. le maire et à son conseil municipal. Ce sont ces genres d'actions que nous souhaitons voir se renouveler et perpétuer. Premier magistrat de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé a invité les bénéficiaires à faire une utilisation responsable de l'ouvrage. Il y a eu déjà dans plusieurs établissements ce genre de don. On estime que c'est notre devoir. Nous avons fait dans plusieurs établissements, en plus d'ici, dans plusieurs écoles. Nous avons rénové plusieurs écoles au niveau de Cocody et nous allons le continuer parce que c'est notre devoir, c'est de mettre les administrés, les enfants et les jeunes dans des conditions acceptables. Donc nous le faisons partout. Et le lycée hôtelier aussi, étant sur le territoire de Cocody, nous allons les accompagner. Avant ce don, la mairie de Cocody avait offert le 22 février 2021 du matériel didactique d'une valeur de 4 millions de francs CFA au lycée. Cette cérémonie d'inauguration a pris fin par un cocktail fait par les étudiants et stagiaires de l'école.